Moi, c'est tout gentil, tout simple. Tu vois, baisse tes lucidités. Voilà. Ça tourne. M'ont bloqué un fichier, le GSXR, une merde au Facebook. J'ai ressuscité le Juno 106. Que tu crois pas. Alors attends, faut mettre bien le bouton à droite. J'en suis à la gamme P au 154 ou 44, je sais pas. Ça va marcher là. J'ai un T34 son. On est dans les années 80, je vous signale. Là, je vais aller rendre mon rapport de combustion. C'est-à-dire, je vais chier un bon coup. Et en même temps, je vais expliquer, putain, aujourd'hui, comme c'est bien. Vent cosmique 58B. Terminator qu'il a raison qu'il a pas tort. Termine a raison qu'il a pas tort. Bon, tranquille. Hop. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chier beaucoup. On va écouter la navette. Alors. Bon, tant que ça filme, ça filme. Alors, j'arrive ce matin. Ouais, ce matin à midi, ça, je monte voir Tata l'oracle à Pasteur, normal. Bon. Deux faits extraordinaires. Attends, faut que je pose ça. Un flux glacial gay. Attends. En fait, ça n'a l'air de rien comme ça, mais je vous explique. Qu'est-ce que je vous explique? Ben, je vous explique que je vais chier un bon coup. Qu'il n'y a pas de raison qu'il y en a qui chient sur un chiot alors massif et d'autres qui n'ont toujours pas de papier pour se torcher le cul. Et l'histoire de la navette. Alors j'arrive par le bus, c'est le 20. Attention, faut que là ce soit de ce côté-là. Sinon, tu vois rien. Chier un bon coup, bon. Pas que c'est la chiasse, mais pas loin. Ça fait glou, glou, glou. Ça fait liquide. Bon, ça arrive. Mais tout ça pour dire quoi? C'est un moment exceptionnel. Ça m'a fait comme les mamies, tu sais, quand. Genre, j'étais en cure, vers l'Escarène, là, vers au-dessus, là. Je me rappelle plus le nom de la boutique, mais c'est pas grave. Et en fait, je calais au village, je prenais au moins 2,86, et un jour je cale, c'était un dimanche, comme ça, et je prends qu'une 8,6, il y avait un bouquet de roses, et je prends un bouquet de roses aux mamies pour l'hôpital, là où j'étais en cure, tu vois. Truc tranquille. De là, j'arrive, attends, il fallait faire quand même 6 km. Bah, à l'époque, j'avais la forme, là, j'ai fait 10 bornes, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Pour le Grand Prix de Monte-Carlo, à Lucéram. Il paraît que ça veut dire le diable. Et alors, il arrive la navette. Bon. Jusque-là, tout va bien. En premier, je laisse passer les mémés, avec la canne, avec hop. Deuxième, je laisse passer les bonnes femmes, bon, je sais pas, arabes, musulmanes, j'en sais rien. Putain, mais la cinquième bonne femme, comme ça, regarde bien, on aurait dit qu'elle avait des faux sourcils. Comme j'avais vu la jeune de 17 ans à l'arrêt de bus, qu'on aurait dit qu'elle avait des faux sourcils aussi, je passe. Mais je la regarde et je dis. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Là, le truc, tu sais. Comme ça. Elle me regarde, elle me dit, mais je suis madame tout le monde. Oh. Et on monte dans la navette, et elle me sort sa carte d'identité. On monte, là. Bâtiment I, pavillon I. Enfin, la deuxième sortie, c'est la mieux, parce qu'il y a la machine à café. Bref. Pavillon I, ouest. Bon, ok. Bon.
Et la bonne femme, elle sort sa carte d'identité, elle s'appelle vraiment Madame Tout-le-Monde. Imagine, aujourd'hui, j'ai rencontré Madame Tout-le-Monde. Nous attendons Dieu dans l'espace-temps. Un moment de bénédiction. Et finalement, toutes les grand-mères ont éclaté de rire. Enfin, je sais pas toutes, mais ça a mis le groove dans la navette pour monter. Un moment d'espace-temps sympathique, tu vois. Et je vous le dis comme ça parce que je sais pas comment le dire, hein, mais c'était bon. Comme je termine à raison qu'il a pas tort. Bon, voilà. Essaye de faire du bon engrais. Bon, voilà. Tu vois, c'est gentil en fait. Et là, j'ai résurrectionné le Juno 106. Voilà, j'ai hâte qu'il j'en fie.